Salut à tous la communauté Zen, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo informative concernant Fortnite et tout particulièrement un nouveau chantier qui devrait faire son apparition à Dusty Divo les gars. Et oui, Dusty Divo, l'endroit où tout a commencé il y a quelques saisons, et bien sachez que le site de fouille de Paradise Palms a été le premier et pourrait bien n'être qu'un entraînement pour apprendre à la communauté qu'une nouvelle mécanique de jeu a fait son apparition pour la saison 8. En effet, il a fallu les efforts de toute la communauté, les gars. Toute la communauté pendant 48 heures pour déterrer le geyser près du pont de Paradise Palms. Puisqu'en fait, en tapant le rocher qui était apparu à côté du... Donc ici, à côté du pont, eh bien, on a pu découvrir aujourd'hui un geyser alors qu'il aurait fallu des jours, voire peut-être des semaines, si personne n'en aurait rien à faire. Eh bien, en 48 heures, on a déterré le geyser, mais un défi du coup plus important a été trouvé à l'horizon, puisque les textures d'un nouveau chantier ont été trouvées dans les fichiers du jeu par les data miners. Eh bien, dans les fichiers du jeu, on a pu trouver quoi? Des constructions, et des constructions qui peuvent seulement s'agir de Dusty Divo, puisqu'on reconnaît très très bien par là les structures qui sont présentes à Dusty, notamment le cube central ouvert sur le ciel, donc qui est seulement entouré d'une espèce de construction métallique avec les arbres qui sont au centre. Alors je vais passer tout de suite par dessus pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc voilà de quoi je vous parle, donc ce cube là avec cet arbre central, et bien ici les gars pourrait arriver un nouveau ou une nouvelle fouille ici en plein centre, donc de ce Dusty Divo, donc ici tout simplement. Hop, à terre. Alors je vais monter comme ça, vous allez pouvoir... Hop, voilà. Donc ici, tout simplement, il va y avoir le nouveau site de fouille, à cet endroit-là. Tout ça pour dire, je vais vous mettre des images tout de suite, les gars, par rapport à ce nouveau site archéologique de Dusty. Donc, les gars, comme vous pouvez constater sur ces images, là, on aurait, du coup, le centre de Dusty un peu recouvert avec de la terre, mais déjà un peu entamé avec les construits. Ensuite, les bulldozers feraient leur arrivée pour pouvoir commencer à dégager la terre. Et du coup, commencer à nous laisser apparaître les petites pierres qu'on doit nous creuser. Ensuite, là, on aurait le vrai chantier avec l'image au complet, avec les bulldozers au centre. Et je pense que nous, on va pouvoir faire notre arrivée à ce moment-là. Parce que, justement, voilà ce qu'il y aurait, des petits tas de sable ou de cailloux que nous, on devrait creuser avec nos pioches, comme pour l'histoire de Paradise Palms. Avec ceci, on aurait ensuite le trou, pareil que celui de Paradise, sans rien, parce que nous, on l'aurait creusé pendant quelques heures, et on aurait aidé à découvrir ceci. Et voici donc un autre angle avec les bulldozers apparents, et je pense que ce sera comme le trou de Paradise Palms, officiellement. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, Dusty, c'est l'endroit où tout a commencé, hein. C'est le principal site du crash de la comète qui a eu lieu avec les pierres gravitationnelles, etc., qui ont permis les événements des saisons suivantes, donc qu'on a eu saison 6, saison 7, saison 5, etc. Tout ça avant, ça a été dû justement à l'impact de la météorite et de la comète qui a eu lieu sur Dusty. A l'époque, le gouvernement local avait construit une base autour du périmètre pour étudier la comète, mais l'endroit est maintenant à l'abandon. Et du coup, c'est ça peut-être l'histoire aussi avec l'hélico du gouvernement, etc., qui tourne autour de la carte, etc. Justement, donc dans les prochains jours ou dans la prochaine semaine, hein, tout va être bouclé, les gars. Donc sachez que on va tout découvrir et je vous mettrai bien sûr sur ma chaîne tous les petits détails comme d'habitude à la première minute. Dès que j'en sais quelque chose, je vous le mets en ligne, comme ça vous êtes au courant avec moi. Alors, tout ça pour vous dire que ce truc là c'est peut-être une nouvelle mécanique. On a eu donc Paradise Palms ici à cet endroit là première fouille. Là, la fouille, ça c'est, je pense, obligatoirement à Dusty, puisque en plus elle a déjà été trouvée dans les fichiers. Mais maintenant, comme je vous dis, l'endroit il est à l'abandon, il y a plein de plantes de partout. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On ne sait pas. Est-ce que c'est quelque chose qui aura justement un rapport avec le gouvernement qui a cherché à cacher quelque chose? Est-ce que la comète a laissé quelque chose sur place, etc. On avait déjà eu
avec les défis de super production de l'époque, le skin qui était déterré de cet endroit-là, etc. Justement, on va voir s'il n'y a pas quelque chose, un oubli. Mais tout ça, je vous dis, dans les prochaines vidéos, ça va sortir très prochainement. Donc n'hésitez pas à me suivre, à mettre la petite cloche de la chaîne, puisque dès qu'il va y avoir quelque chose, je vais vous le mettre en ligne et vous allez pouvoir savoir en même temps de quoi il s'agit. Donc voilà les gars, les petites informations concernant ce petit fait, cette chose qui est en train de se passer actuellement sur la carte de Fortnite. En tout cas les gars, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Mettez un petit pouce en l'air si c'est pas déjà fait. Je vous remercie d'être aussi nombreux à mettre mon petit code créateur, d'ailleurs Telmo-Lopez pour ceux qui l'ont pas encore mis ou remis, puisqu'il faut le remettre tous les 14 jours. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de rester zen. Salut à tous!